If we don't go after Alexei, that Antilochia we saw is gonna wind up in Apatheia. Even from this far away, Astal's wounds look terrible. He might not hold out much longer. I guess not even the Antilochia are a match for Heracles. Maybe that was Alexei's reason for building it in the first place. Naturally. There's no way he'd need something that powerful just to take care of the guilds. Whatever the case, we have to catch Alexei and stop him before it's too late for Astal. Ouais, les choses semblent très très mal parties, hein. Mais avant ça, bonjour tout le monde. Ici GA2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Tales of Hesperia. Dans le présent épisode, nous avons appris la disparition d'Estelle et nous avons réussi à Jormungand à découvrir que c'était Alexei qui était derrière celle-ci. On ne sait pas où est passé Raven. Flynn s'est plus ou moins fait rouler dans la farine comme un gros débutant puisqu'il pensait que Alexei était complètement digne de confiance et ben apparemment pas. Donc désormais Alexei est notre nouveau grand méchant, pas beau, maléfique, qui veut détruire le monde ou peut-être pas. Il prévoit d'assassiner donc Yoder. Il a capturé Estelle et il s'en sert comme d'un outil. Il était derrière Ragu, Qumor et il est celui qui est, enfin il est le véritable client de Jaeger. En gros, méchant pas beau. Bouh, pas bien Alexei, pas bien. Désolé, je lui mets pas vraiment beaucoup de motivation. Bon, j'ai mes raisons personnelles en vérité, mais... La véritable raison, c'est qu'à nouveau, je trouve que ils ont raté, mais lamentablement, cet aspect-là. Flynn a envoyé ses chevaliers nous aider. Quel idiot, envoyer ici ses meilleurs subordonnés. Il ferait mieux de s'inquiéter pour lui. Mais ils nous ont sauvés. Il doit vraiment être inquiet. À propos de nous, ou à propos d'Estelle? Des deux, j'espère. Ouf! Franchement, en n'apportant pas beaucoup le temps de s'inquiéter des autres. Alors, Flynn ne s'est pas complètement fermé aux autres, lui non plus. Ah, ok. Mais ouais, donc nous voici à Bactyon, le sanctuaire oublié. C'est marrant parce que ça me fait penser à Bastion à chaque fois, et c'est vrai que, bah... Passons. La zone est, oups, blindée de chevaliers dans tous les sens. Et donc, bah, oh, wow, c'est dommage que j'ai pas prévu d'avoir... C'est dommage que j'ai pas repeat, c'est surtout ça ce que je veux dire, parce que une loupe magique m'aurait analysé tous ces gus, et ça aurait été plutôt pratique. Donc, chevalier guerrier, niveau 40. Ok, bien sûr, je l'ai arrêté 12 millisecondes avant que ça serve vraiment à quelque chose. Chevalier évêque. Et il s'envole vers d'autres cieux. J'adore le fait que comme ils ont une espèce d'immunité temporaire, vu qu'ils sont, vous savez, en train de se relever, pour éviter que vous soyez que vous les bloquiez indéfiniment, mon premier coup les touche pas du tout, et le deuxième, ils sont trop loin pour que je puisse faire quoi que ce soit. Ok, tempête azurée, voilà un truc qui a la classe. Mais bon, normalement, je les ai tous analysés. Et il reste plus que ce type. Donc ouais, vous allez vraiment avoir besoin de la cuisine à mort pendant ces périodes. Parce que, bah ouais, et malheureusement, Yuri a bien sûr raté son premier plat. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ah oui, vérifier que... C'est bon. Alors, fatalement, je suis quand même de devoir en affronter quelques-uns, puisque, bah, je pense, avec quasi certitude, que ils vont pas rester ici. Enfin, voilà, c'est déjà, c'est pas les mêmes, puisqu'ils sont S. Pourquoi S? Je veux dire, A, c'était pour Alexei. Mais S... Super. Genre c'est un super... Oh wow. Oh ah si, parce que je me disais c'est... Pourquoi S? Oui, il n'y a que E. Honnêtement, je sais pas trop. Let's go. Yuri, tu m'arranges pas beaucoup à rater toutes tes recettes à chaque fois.
Enfin, 30% de PV, ouais, là j'aurais récupéré 60% des PV perdus, ça ferait une certaine différence, mais bon. Ah, gelée de citron, toujours utile. Alexei, guerrier, guerrier. Ok, mais je sais pas vraiment en fait à quoi correspond le S. Je veux dire, ça aurait été R, j'aurais dit royal. Ça aurait... Je sais pas, S... Ça aurait été I, j'aurais dit impérial. C'est relativement vrai. Non, enfin bon, donc... Non ! That was easy. Yuri ! Ah, Yuri a encore raté son curry, c'est pas possible. Bah, disons que le problème, c'est que je vais pas réussir à... Je vais pas soigner indéfiniment, quoi. C'est justement tout l'intérêt d'avoir Yuri qui essaye de réussir ses recettes, quoi. Mais s'il les rate constamment, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Est-ce que je peux dégager un truc à toi? Ah, je prends mon retiré de taille à de lien, je pense. C'est cool et c'est pratique et c'est sympa, mais j'ai vraiment envie de force 3, quoi. Ah, et je suppose que je vais claquer une autre gelée de pommes, puisque Yuri est incapable de réussir un plat, actuellement. Donc, actuellement, on a un peu tout vidé dans cette zone, même si c'était pas l'objectif initial, et on a un seul point pour s'en aller, et c'est ici. Il y a même des méchants normaux, bon. Qu'est-ce que je voulais te dire, déjà? Rien du tout, en fait. Ah, je vais quand même devoir affronter... Bon, ok, toi, je vais pas t'affronter, mais si je peux essayer de faire un petit combat lien. Voilà, histoire d'accélérer la chose. Waouh, il y a littéralement que de ça, en fait. Des lapins, des culbupins et des lapios. Ah, toi, tu vas utiliser... C'est vrai que je pourrais utiliser le souvenir maternel. Ensuite. Ok, ça c'est bien. Je suppose que c'est moi qui ai utilisé une loupe magique sur le Lapio. Et c'est vrai qu'au final, potentiellement, utiliser pas mal le souvenir maternel, vous savez, pour pouvoir régénérer l'équipe un petit peu à chaque fois, ça peut être utile, mais bon. Voilà, je veux dire, c'est pas énormément de soins, mais c'est quand même utile. C'était de la bonne AO. Oh zut, ouais, il y avait... alors, Yuri, tu dois avoir fini ouais, avec le pudding. D'accord, donc maintenant, on va pouvoir passer au gâteau. Bah oui. Donc, ça rend encore plus. Le bouillon est à 2, le steak et le curry, il en a pour 10 ans. De toute façon, après, les recettes nouvelles, et en plus, c'est pas une petite recette, quoi. Ouais, ils mettent en général du temps à faire quelque chose de bien. La zone est immense, par contre. Un Bactyon, c'est... Définitivement pas un petit donjon. Toutes ces salles se ressemblent. Je me demande si elles sont toutes comme ça. Je vais aller voir ce qu'il y a devant. Répide. On n'a pas vraiment le temps de traîner. Ça va, du calme. Comme nous le pensions, toutes les salles sont identiques jusqu'à la sortie. Comment tu le sais? Et l'odorat de répine n'a pas l'air de fonctionner très bien ici, bien entendu. Je vois, on ne peut pas permettre de se perdre là-dedans. Tiens, sers-toi de ça. Faisons un plan tout en avançant. Tu as toujours ce qu'il faut. Carole, tu peux t'en occuper? Ouais, je suis doué pour les plans, laissez-moi faire. On va être dans de sales draps si tu te plantes, tu sais. Allez, ne dis pas ça, tout va bien se passer, probablement. Et maintenant, nous avons un plan. Et aussi un ennemi immédiatement, parce qu'après tout, hein.
keep getting stronger. That's the... Bon, Yori, tu commences à souffrir trop. On va te remplacer par Ripid temporairement. Ah, et puis il y a du méchant pas beau. On va refaire un combat lien pour essayer d'abréger le truc. Sorry, but you're going bye-bye. Ça, et le fait bien sûr que comme j'ai Ripid, maintenant je peux utiliser une loupe magique et pas me poser de questions. Ah, donc 39, 41, ce truc est classe. Même si c'est que ça utilise juste le Rick Barrow en termes de modèle. 38, 39, et 39, et baratin, ouais. C'est un peu agaçant que ça les analyse littéralement tous, même quand c'est absolument pas nécessaire. Et elle, elle a appris un nouvel art qui est... Et l'enterre. Oh! Et l'enterre. On n'a rien pu voir, malheureusement. Je suis désolé. Mais vous avez pu voir un peu sur le côté. C'est une sorte d'équivalent de stalagmite, mais en plus gros. C'est plutôt sympathique dans un cas comme celui-ci où il y a plein d'ennemis dans tous les sens. Malheureusement, le fait est que je me fais un peu détruire la face. Je m'étais pas mis un soin quelque part. Saccage brisant. Oui, ah, sur le côté, ok. Où est Rita? J'ai dit Rita. Rita, t'es où? Elle est là. Ah, Rita, tu... Est-ce que ça me soigne ou pas? Ah non, ça... Ah, je me suis planté, je crois. Ouais, non, c'est pas celui qui soigne, d'accord. Ok, c'est fracas de soins, moi, que je veux. Par contre, ouais, pour viser, c'est dur. Mais bien sûr, il y aurait contenu de rater tous ces trucs. Garde magie aérienne. Waouh. Ça sonne sympa dans le sur le papier. Ah oui, ça doit être sur les bottes de dragon. Garde aérienne, garde... Waouh. À côté, je l'ai déjà dit, c'est la reine de l'aérien, elle, donc bon. Alors, nous sommes actuellement dans la salle rouge ici, mais normalement, on a techniquement visité les autres, je crois. Donc là, voici celle dans laquelle on est arrivé. Je sais pas pourquoi il y en a deux autres qui sont indiquées, vu qu'on n'y est pas réellement allé, mais... Pourquoi pas. Fatalement, il est conseillé de toutes les voir, parce que sinon, on peut rater... Des trucs dedans, mais j'aimerais éviter. Fiole de panacée, c'est utile. Non, arrête, waouh. Ces trucs sont rapides. Je sais, normalement, ils doivent être beaucoup plus rapides que ça, puisque bah, c'est les quadrupèdes et tout ça, mais... Crotte, on est dans un jeu vidéo. Épargnez-moi. Alors... Je pourrais utiliser la, une fiole sacrée, mais j'en ressens pas le besoin, parce que ce sont des grandes salles ouvertes. Ok, là, maintenant, j'en ressens le besoin. J'allais dire, ce sont des grandes salles ouvertes, donc je peux, sans problème, éviter les ennemis et tout ça. Le problème, c'est que là, c'est une grande salle ouverte avec deux coffres en plein milieu et des ennemis partout. Donc, salle ouverte ou pas salle ouverte, je vais avoir du mal à récupérer les coffres sans me faire choper par les ennemis 25 fois. Je vais croiser les doigts. Je pense que j'irai voir en fait avant, enfin après cet épisode ou une poignée d'épisodes si j'ai pas raté d'ennemis importants ici. Il y a un point de soin de garde là-bas, mais que je sache, c'est juste pour nous aider parce qu'on se fait rouler dessus. Je vais prendre le risque d'aller voir si je peux pas l'utiliser quand même. Pas de scène, 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 parfait. Ouais, ils se mettent à être relativement généreux vis-à-vis des points de soins de garde. Ça sera un bon point d'arrêt, en fait, quand j'aurai fini d'examiner la zone. Puisque, fatalement, comme je l'ai déjà dit, on n'a pas de soigneur. Et le truc, c'est que je pense qu'ils s'en rendaient compte que ça rendait la zone difficile. Mais ils n'avaient pas vraiment moyen de compenser ça. Dans la version PlayStation 3, ils ont ajouté Flynn, histoire de vous aider un petit peu. Mais dans la version, bah, celle-ci, ils pouvaient pas vraiment faire ça comme ça. Donc, à cause de ça, je suppose qu'ils ont dû se dire, bah écoute, tu leur mets des points de soins un peu ici ou là, de sorte que comme ça, il n'y a aucun risque, enfin, ça les aide, quoi. Mais bon. Ici, nous avons l'étoile scintillante, donc en fait, j'ai littéralement, je me suis littéralement baladé dans tous les sens pour rien. Étoile scintillante étant, bien entendu, pour Rita. Portée par un magi...
Non, je suis presque sûr qu'il y a un T en trop dans ce second mot. Porté par un magicien légendaire qui a invoqué les étoiles. Le dessin est assez mignon. Ouais. Magie lourde et pro des objets, pourquoi pas. Mais à nouveau, ouais, non. C'est pas comme ça que ça s'écrit. Par. Mais bon. Comme vous le constatez sur le plan, on peut continuer par là, mais en vérité, j'ai pas de bouton d'action et tirer dessus avec l'anneau du sorcier ne fonctionne pas, donc c'est encore une zone que nous revisiterons plus tard. C'est même lié à une quête secondaire. Mais ce sera bon plus tard. Cependant, je pense qu'on a dû... C'est un peu ce qui est gênant, en fait, vous savez, c'est qu'on n'a pas un bestiaire où il y a toutes les entrées déjà, et vous avez juste du point d'interrogation partout, qui me permettrait, par exemple, de dire, voilà, alors est-ce que j'ai raté un potentiel ennemi, etc. Non, alors après, on a vu les halbardiers, les lanciers, les mages, les... Je suppose qu'on a dû tous les voir. Je l'espère. Mais là, je pense que mon équipe est assez costaud pour que... ouais... Mais avec ça, ça fait un épisode malheureusement un petit peu court. Bon, pas à ce point non plus, mais un petit peu, je suis désolé, mais... J'aimerais éviter de le faire durer trop longtemps, parce qu'il y a un point de sauvegarde ici, et je sais pas quand est-ce qu'on aura un autre bon point d'arrêt. Donc je préfère encore mettre fin à l'épisode ici, pour qu'on continue de zéro la prochaine fois. Donc je vous retrouverai pour qu'on aille explorer le reste de Bactyon, le sanctuaire oublié. Donc d'ici là... Ciao.